Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur What Jock Zerino. Alors, c'est le moment de continuer notre aventure. Let's go! Hey, hey, hey! Pas mal, la vue. Ouais, je trouve aussi. Vol, petit nuage. Y a plus qu'à s'asseoir et profiter du spectacle. T'es sûr que tu l'as bien configuré? Oh, ça va, ouais. Je te demande pas si t'as bien fait ton taf, moi. Si? Hé, hey, fermez-la, j'y suis. Avec le PDG de Home, qui nous a préparé une petite... Tu m'étonnes qu'il a une surprise pour... Tout à fait, j'ai apporté notre tout dernier appareil, et je suis heureux d'annoncer le lancement du Home 2.0. Ouais, cool. En appuyant sur un simple bouton... C'est le logo de DeadSec. Oh, je suis désolée. Trop fort! Éteignez! On a terminé, je n'ai plus rien à dire, vous avez entendu? Citoyens de l'ère numérique, bienvenue. Home a cru pouvoir vous duper. La société vous a vendu un système pour votre foyer, garantissant votre intimité, votre sécurité et son utilité. Mais en réalité, Home vend vos habitudes. Vous avez souscrit un abonnement mensuel pour avoir le privilège d'être revendu au plus offrant. Il est temps d'ouvrir les yeux, de récupérer la valeur de votre existence. Si vous ne contrôlez pas ces informations, quelqu'un d'autre s'en chargera. Vous pouvez espérer que les multinationales vous traitent bien, ou vous pouvez prendre le problème à bras-le-corps. DeadSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Steven, t'as pris un sale coup, mon pote, ça arrive. Écoute-moi bien, espèce d'hypocrite. C'était pas très malin, Steven. On peut dire que t'enchaînes les conneries en ce moment. Assieds-toi. Mec, je t'ai donné tous les outils. Tous. Pour utiliser ces données proactivement. Et toi, tu chies dans la colle et en prime time en plus. Ils ont déjà dû mettre ton interview en ligne avec de l'autotune. Fous la paix à DeadSec. Je vais m'occuper d'eux. Tout ce que t'as à faire, c'est envoyer une lettre d'excuse à mes avocats pour avoir levé la main sur moi. Ça va aller? Est-ce que ça va aller? Dis oui. Oui. Eh ben voilà. Je vais te chercher un verre d'eau. Wow! On peut dire que ce mec, super violent! Ok, c'est cool! C'est bon! Salut W! C'était quoi encore? WKZ, voilà! Donc 87 000 followers! Ah, merci pour ce trophée! Domicile sous surveillance! C'est bon! Donc j'ai 6 points de compétences. Ouais, ben, en fait, ouais, c'est ça, 6 points de compétences que je pourrais utiliser tout de suite. Casquette de fidèle. Oh, ben, je suis un fidèle, pour vrai? Vous êtes sûr? La police est là. Tabarnouche, ok. Police, va cracher! Je veux dire, va cracher! Faut que tu viennes tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon, dépêche-toi. Allô? On a besoin d'une ambulance. Non, ok, ok. J'arrive dans quelques instants, mais avant tout... Hey, Marcus, un follower a récupéré un email. Dans quelques instants, mon petit Wrench. Alors, j'ai 8 points de recherche. Waouh, 8 points de compétences. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Provocation? Non, c'est pour le jumper. Ok, peut-être... Ceci, oui, avoir un speed boost dans la voiture. Ok, let's go. Ça, c'est bon. Et là, en haut, c'est pour déverrouiller les véhicules sans déclencher l'alarme, en fait. Non, ça me tente pas. Ici, y a-t-il quelque chose? C'est vrai. Je voulais prendre ceci. Il me manque 2 points de recherche. Ah, ok, j'économise mes points de recherche. Et ça vaut le détour, mon pote. Ça vaut le détour. Arrêtez d'ignorer mes emails. Tu étais là avec moi. Tu as entendu ce qu'a dit Cole. Il a avoué qu'il aimait les enfants. Je me fiche de ce qui... Attends, de qui sont ses amis chez Home? Il faut qu'on aille voir la police. Ok, une autre fois, voyons donc. J'ai tellement de missions, c'est pas croyable. Un peu de peinture, mission secondaire, miroir, c'est ce que je viens de débloquer. La fin de Bloom, je peux pas faire ça pour l'instant. Les gars, j'ai une piste sur un pédophile potentiel qui bosse pour Home. Oh putain de merde. Big Brother, c'est un gros pédophile. Et ben voilà pourquoi on voulait s'intéresser à Home. Bon, alors c'est qui ce mec? Cole, machin truc, j'ai pas son nom de famille. On a sûrement la liste des employés de chez Home quelque part. Alors...
Cole Lang. Je vais le retrouver. On va rassembler les preuves et voir le genre de personne qu'Home cherche à protéger. Hey, c'est bon. Donc, j'ai une nouvelle opération, mais avant tout, il faut que j'aille... Attendez une seconde. À la maison, n'est-ce pas? Attends, dans la map? Voilà. Donc, le HQ, ici. Voilà. Alors, je suis de retour à la base et je vais prendre ces deux trucs qui sont là. Bon, on y va. Let's go. Je voulais le faire depuis longtemps, mais j'arrêtais pas d'oublier de prendre ces trucs-là. Voyons donc. Alors, ok, c'est ça. Bien. Peinture d'armes personnalisée. Ah ah. Hey, c'est parfait. Ah. Ok, il me faut une clé d'accès. Ah bah, ok, je peux pas prendre l'autre truc pour l'instant. La clé d'accès se retrouve où exactement? Oh, là-bas, d'accord, d'accord. Donc, pour y aller, faut que je saute super haut avec le jumper. C'est pas possible, voyons donc. On va tenter le coup. Ici, comme ça. Non, c'est pas possible, hein. Faut que je fasse des cascades, voyons donc. Vraiment dommage. Avec le quadricoptère, c'est vrai. Est-ce que j'ai assez d'argent pour l'acheter? Attendez une seconde, on va aller voir ça tout de suite. Ici. Tabanouche! J'ai juste 36 000 $, il m'en faut 67 000. Vraiment dommage, mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Alors, allons ici, parlons à Citara, baby! Elle m'a checké avec des yeux croches, hein, comme... Merde, merde, merde. Merde, 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 hey, mec, merde. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais des chiffres, combien de gens avaient téléchargé notre app, combien de puissance de calcul on avait disponible. Et c'est là que je l'ai vu. Quoi? T'as vu quoi? Une partie de nos followers et des bots proviennent de comptes invite inactifs ou fermés. Attends, ça veut dire que quelqu'un a utilisé un réseau social pour booster nos chiffres? Mais qui? Et combien de comptes surtout? Je sais pas qui, mais ça vient directement d'invite. Quelqu'un avec l'accès admin, ça c'est sûr. Et pour la quantité... Putain! Je suis désolé, j'ai pas vérifié. Non, c'est de ma faute, j'ai pas vérifié. Josh, j'ai pas vérifié. Non, c'est pas ta faute. Non, mais peut-être que tout simplement, on a un méga fan chez Invite. Ouais, ou peut-être bien que quelqu'un essaie de nous baiser. Merde, merde, merde. Faut qu'on se bouge. Marcus, je vais trouver un moyen d'entrer chez eux. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû vérifier, j'aurais dû vérifier. Josh! Arrête, c'est pas ta faute, ok? On les a tous vus, les chiffres, et c'est toi le seul qui t'en est rendu compte. T'as assuré. T'as assuré. Hmm? Ok. Ow. Ok, ils ont acheté des followers. On peut dire ça comme ça. Enquêter sur les faux comptes d'Invite. Ouais, les maudits, c'est pas croyable. Donc, il faut aller à côté. Ah, c'est pas loin. C'est génial, alors allons-y. On va ouvrir la porte. Comme ça. Ça prend du temps, ouais. Je le sais, ne vous en faites pas. Oh, excusez-moi. Ouh. Ok, c'est bon. Donc, c'est à combien de mètres? Ah, ok. On va juste se promener sur cette ruelle en attendant. Et on va hacker les gens. Comme ça. Oh, il a osé cracher sur le trottoir. Oh, lui, c'est un méchant loup. Allez le tuer. Haha. Okay. J'envoie les tueurs à gage pour régler le problème. C'est un traître. C'est bon. Alors, oh, vous savez quoi? Non! Oh mon dieu, il est en train de me tuer! Oh, recule! No manches, I yes Dan. C'est qui a dit ça? What? Ça m'a fait peur, oui? Ah, super! Oh yes, c'est bon, on a exploré les lieux pendant la nuit et c'est quand même génial! Jour ou nuit? Jour. Bah merde, comment tu vas? Intéressant. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Je croyais que c'était une question comme ça. Oh! Pas très très intéressant comme humeur, n'est-ce pas? Ok, accéder à l'ascenseur qui mène au bureau du PDG. Utilise l'ordinateur de la présidente, Mary Catskill. Elle est en vacances, son bureau doit être libre. Son bureau doit être libre? Ok, c'est correct. Donc, je dois me diriger ici, hein. Je peux pas... Oh, ok, pendant un instant, j'ai cru que je pouvais pas faire d'escalade. Je comprends pas pourquoi, là, mais bon.
Ouh, ok, clé d'accès. Deux petites personnes ici. Ok, alors c'est qui a la clé d'accès? Je l'avais vu tout à l'heure. Dabanouche, ok. C'est bon. Tranquille, tranquille. Personne ne me voit. Perfecto, hein. Atroce, comme tu l'as dit. Faut que je trouve un moyen de faire en sorte qu'elle sorte de là, hein. La personne avec la clé d'accès. J'ai... Le jumper est pas assez haut. Comme je peux pas sauter assez haut pour y aller. C'est bon. Ici. Ici. Ah. C'est vrai, c'est un ordinateur, c'est pas une personne. Josh l'a dit, voyons donc, Polo. Voilà, perfecto. C'est bon. Personne est là, hein. Les conditions d'utilisation d'Invite nous autorisent à rediriger les actualités et les contenus de nos utilisateurs à leur insu, oh, afin d'améliorer nos activités. Le premier de nos tests de contagion émotionnelle a duré 3 mois. Les sélections de notre client étaient basées sur les tendances politiques, la stabilité émotionnelle et le nombre de contacts des sujets. L'objectif de la première phase était d'établir si nous pouvions modifier le statut émotionnel des utilisateurs les moins stables et leur contenu partagé. Les résultats se sont révélés stupéfiants. Un taux de réussite de 96%. En bombardant leur mur d'actualités négatives, de contenus contraires à leurs opinions et de rappels de moments partagés avec des proches, ex-conjoints ou décédés, nous avons observé une profusion de publications négatives émanant de nos sujets. Afin de concrétiser nos résultats, nous avons réinitialisé leur statut émotionnel en publiant des actualités et des rappels positifs sur leur mur. Ok, super, j'ai trouvé ce qu'il fallait. J'ai déverrouillé l'ascenseur, j'y vais tout de suite. Allez, on y va. Ok, comme ça. Je suis dans l'ascenseur. On va enfin avoir des réponses. Bonne chance, Marcus. On est avec toi. Ça y est. Je vais essayer de voir qui a gonflé nos chiffres. Wow, wow. Il s'est passé quoi, là? Les clients marqués ont disparu. Les bots sont plus là. Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, c'est pas moi, Marcus, je tombe mal? On dirait que je tombe mal. Je parie qu'elle prend des glaçons en plus. Je pense pas avoir besoin de me présenter, si? Je sais qui t'es, ouais. L'autre nuit à la plage, tant je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Eh bien moi, je crois que c'est le destin qui a voulu... Que je sois là, l'autre soir où t'es entré dans nos systèmes. Il fallait que je sache qui t'étais, et quand je t'ai trouvé, tu pissais sur tes baskets. Tout dans le cerveau, rien dans la précision. Qu'est-ce que le directeur technique de Bloom fait dans le bureau de la PDG d'Invite? Et pourquoi t'as gonflé nos stats? Laisse-moi deviner, tu viens me proposer un salaire de bâtard? Ah ça non. Non, 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 non. Alors oui, c'est sûr que t'es plus doué que la plupart de mes programmeurs. Mais moi, tu vois... Je peux pas vendre le CityOS 2.0 comme un système de sécurité de pointe et après... embaucher un type aussi peu recommandable. Wow, wow, wow. Je suis juste venu prendre un verre. Mais, hey, si tu veux un verre et une danse... Ok? Ah, tu trouves ça marrant, hein? Vas-y. Fais-moi un coup, vas-y. Tout le monde te bouffe dans la main parce qu'il pense que ton système est infaillible. Mais tu vois pas toutes ces vies que t'es en train d'écraser. Tu sais quoi, Marcus? Tu sais quoi? Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise ce qui est bon et ce qui est mal. Ils veulent pas savoir comment ça marche, juste si ça marche. Sauf que rien ne marche. Quelques vies, un prix dérisoire à payer. Dérisoire pour améliorer le sens dans lequel va le monde. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Continue à te battre contre le courant et tu finiras sur la plage. Pourquoi t'as gonflé les chiffres de DeadSec? Parce que dans la Silicon Valley, personne ne sait mettre une vraie droite. Ça, et puis vous êtes un sacré investissement. Vous êtes si agressif, si indigné. Vous avez envoyé le reste de la Silicon Valley directement chez moi.
Tu nous as utilisés pour leur vendre le CityOS 2.0. Ouais, c'était le dernier rempart contre des hackers comme vous. Et maintenant, tout le monde veut ma protection. Bon, écoute, Marcus. Ton dossier est de nouveau accessible, ta bague d'or est grillée, et ces bottes que je t'avais données... envolées. Oh, et... il y a aussi un mandat sur ta gueule. Pour piratage, espionnage industriel... et vandalisme avec effraction. C'est pas grave. Je comptais pas me resservir. Ça fait chier. On l'a retrouvé. On est derrière lui. Je vous ai fait une description de suspect. C'est la cata. Oh mon dieu. Je me suis fait avoir. Putain. Marcus, il y a des flics partout. Tire-toi de là. Sa mère. Marcus, ils encerclent le bâtiment. Calme-toi et dégage de là. Je répète, sortez les mains en l'air. Oh, t'es sûr? Ok, attends. Je répète, sortez les mains en l'air. Ok. C'est bon. Sortez les mains en l'air, mais il est en train de me tirer dessus. Le maudit. Voilà. Ça va prendre... Oh, t'es pas sérieux, mon gars. Non. Oh, vous croyez vraiment que je vais sortir les mains en l'air? Ok, tranquille. Vous savez quoi? On va se cacher un tout petit peu. Maudit. Et si je teste ceci? Oh non, pas là, Polo. Ici, comme ça. Voilà. Boum! C'est pas assez! De l'autre côté. Je peux pas tirer de là. Tim! Ok, attends, vous savez quoi? On va aller ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre ceci. Panouche! Ces mecs là, ils abusent! Laissez! Lui, t'es mort, oui! Okay. Moi, je m'en vais! 5 étoiles! C'est pas croyable! Par où je peux partir? Ici! Suspect en vue! On prend en soutien pour les unités au sol! Allez, prends ceci! Dépêche! Oh mon dieu! Je ne sais pas comment je vais échapper aux policiers, c'est crazy! Bon! Je suis vraiment désolé, les amis! Je suis désolé, la con! Je suis en fuite! Tabanouche! Je ne sais pas repérer par le policier dans la minimap! C'est pas bon ça! Waouh, vous avez vu ça, man! Ils veulent vraiment me chasser comme des fous! Où dois-je aller? Où pourrais-je aller en fin de compte? Oh, t'es pas sérieux. Oh non, ils ont dit que je suis en train de nager. Oh, come on. Non, reste en bas. Oh, come on. Je suis en train de m'enfuir là. C'est en train de marcher. Ils ne peuvent pas me voir. Et si j'allais là? En attendant, je vais voler son argent. Comme ça? Non. Tu vas te faire repérer. Oh my god. Shit. Encore un tout petit peu. Les amis, je peux réussir mon coup. C'est pas croyable. Tu ne feras pas le trottoir. On arrive avec ta mère tout de suite. Papa, c'était une blague. Voyons donc. Encore un tout petit peu. La position du suspect. Yes. J'ai réussi mon Marcus, coup. Ça devient vraiment trop chaud là. Rentre au QG et on trouvera une solution ensemble. Ouh. Oh les amis, c'était beaucoup trop crazy. J'ai pas envie de commencer la prochaine mission tout de suite. Attendez une seconde, j'ai combien de missions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Mais la fin de Bloom, je peux pas faire ça tout de suite. Donc on va dire 8. J'ai bientôt fini. Miroir. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, voir Scout X. Est-ce qu'il y a de quoi? Non, il n'y a rien. C'est bon. Alors, véhicule à la carte. On va déconner un petit peu ici, pourquoi pas. Allez, donne-moi ce véhicule. Je me demande si je peux commander plusieurs véhicules en même temps. Est-ce que c'est possible? Attendez.
ça? Ah, ok. Chaque une minute, c'est perfecto. Donc, mon véhicule se retrouve à 100 mètres. Ah, oh, t'es pas sérieux, mon gars. Ah, ok, tu sais quoi? Toi, là. C'est pas vrai. Attends. Oh, putain. Trop génial, je suis en train de l'aider. Wouh! Home, le fournisseur de maisons connectées de Bay Area, fait face à des accusations de violation de la vie privée de ses clients. Des documents révèlent Dégage que Home Allez. Vend des informations privées sur ses utilisateurs, principalement à des sociétés d'assurance. Des informations récoltées par leur propre système de surveillance. La porte-parole de la société Elena Chao affirme que la vente de données ne constitue pas une violation de la vie privée de l'utilisateur, telle qu'il estime. Je vous promets, je n'ai jamais voulu utiliser le bouton pour faire exploser le truc. C'est du suicide, voyons donc. En tout cas, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!